Un bon bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je vais vous parler du signe du zodiaque et l'archange qui lui correspond. Et aujourd'hui, c'est le signe du cancer. Chaque signe du zodiaque appartient à un archange. Mais avant toute chose, petit rappel. Le pouvoir des archanges. Les archanges sont des anges supérieurs, placés au-dessus des anges dans la hiérarchie divine. Ils possèdent ainsi de grands pouvoirs et sont en contact avec la force divine. On peut les invoquer pour se faire guider, pour obtenir des réponses, ou encore pour se protéger contre les influences négatives. En fonction de vos besoins, n'est-ce pas, vous devrez vous adresser à un archange en particulier. Les archanges apparaissent peu dans la Bible, mais ils sont mentionnés dans d'autres textes chrétiens de référence. On trouve également leur nom dans les textes juifs et musulmans. Ils sont souvent représentés avec une grande toge blanche et une auréole, symbole de leur caractère divin. Leur nom varie en fonction de l'univers religieux dans lequel ils apparaissent. Nombreux sont les textes religieux et les doctrines philosophiques anciennes qui estiment que nos dates et lieux de naissance ne sont pas un hasard, mais le fruit d'un plan depuis longtemps préparé. La date à laquelle nous naissons n'est donc pas une coïncidence. Choisir de naître, c'est aussi choisir le signe auquel on appartiendra. Il n'y a pas de fatalité, bien évidemment, mais celui-ci participera à définir ce que nous deviendrons et quelles leçons de vie il nous faudra retenir. S'il y a 12 signes astrologiques, ce n'est pas non plus un hasard. Chacun d'eux représente l'une des étapes du cycle solaire. Chaque signe astrologique est également lié à une constellation et les anges du zodiaque veillent sur tous ceux qui sont nés sous celle-ci. Selon certaines croyances, les anges du zodiaque peuvent aussi nous aider à comprendre les enjeux du signe sous lequel nous sommes nés. Quel chemin emprunter et quel but poursuivre? Le signe du cancer, c'est l'archange Gabriel, la puissance de Dieu. L'archange Gabriel est associé au signe du cancer et il agit comme un transmetteur de la puissance de Dieu. Vous pouvez vous tourner vers lui si vous avez du mal à trouver les mots justes dans le but, eh bien, de transmettre un message important. L'archange Gabriel est également d'une aide précieuse afin de rester lié à l'enfant qui se trouve en chacun de nous et donc afin d'améliorer nos compétences parentales. L'archange Gabriel, la force de Dieu, l'archange messager. Ce bel archange est le Seigneur des anges. On l'appelle la force de Dieu, mais aussi le messager, car c'est lui qui transmet la parole de Dieu aux humains. C'est aussi un guérisseur, protecteur du système reproducteur féminin. Quelle aide peut apporter l'archange Gabriel? Fécondité. De par l'Annonciation, Gabriel est très lié aux femmes enceintes. Les personnes stériles peuvent faire appel à l'archange
dont la fécondité est le domaine de prédilection. Pour ces mêmes raisons, Gabriel permet également aux personnes isolées de se rapprocher de leur mère. Gabriel a un pouvoir sur la parole de l'expression de soi. Il est courant de le prier lorsqu'une communication future est particulièrement importante ou lorsque vos émotions ne vous permettent pas d'exprimer clairement vos sentiments. L'archange Gabriel peut nous aider à trouver notre passion et à choisir une voie qui nous convient au plus profond de notre être. Demandez l'aide de l'archange pour pouvoir vous mettre sur le chemin de la réalisation de vos rêves. Et pour les décès, eh bien, l'archange Gabriel accompagne les âmes défuntes au paradis. On peut lui confier par la prière un proche qui serait en fin de vie pour que son passage de l'autre côté se fasse plus aisément. Comment invoquer l'archange Gabriel? Gabriel est la force de Dieu, n'est-ce pas? Il peut donc vous aider et vous motiver lorsque vous êtes dans le flou, notamment concernant votre carrière. Ce bel archange de la fécondité, c'est aussi lui qui vous aidera si vous ne parvenez pas à concevoir un enfant. Mais son champ d'action s'étend à tous les domaines de la création. Ainsi, si vous manquez d'inspiration, que vous êtes bloqué face à un sujet ou que vous souffrez du syndrome de la page blanche, vous pouvez prier l'archange Gabriel pour vous venir en aide. Pour le prier, pensez fermement à votre demande et énoncez-la clairement. Il faut que l'archange ait une vision précise de votre situation. Et n'oubliez pas de le remercier à la fin de votre prière. Alors Gabriel, l'archange de la création, il est l'un des plus connus, car c'est lui qui, dans la Bible, a annoncé la naissance de Jésus. C'est la raison pour laquelle on le surnomme le messager. Et dans le Coran, c'est lui qui révèle les versets à Mahomet. Plus que le messager, il est l'interprète de la parole divine. En tant que messager, eh bien, il veille aussi sur tous ceux dont le rôle est de transmettre un message. Par exemple, les écrivains, les professeurs, les journalistes, les artistes. C'est un archange de la pureté, de puissance et d'autorité, de paix, de purification et de fécondité. On le représente souvent avec un spectre, une branche d'olivier et une de lys qu'il pointe vers le ciel. Le lys représentant la pureté et la virginité, n'est-ce pas? On rappelle que Gabriel est lié à l'Immaculée Conception. Quel est son rôle? Quels sont les pouvoirs de ce bel ange Gabriel? En tant que patron des artistes et des créateurs, il agit comme un guide lors d'une panne d'inspiration, mais il permet aussi à tout un chacun de trouver sa voie. Il donne confiance à ceux qui doivent s'exprimer et nous donne de la voix ou nous aide à nous dire clairement ce que nous ressentons. Étant donné le rôle qu'il a joué auprès de Marie et Joseph, il est aussi le confident privilégié des parents et des futurs parents. Ceux qui cherchent à agrandir leur famille
ont du mal à concevoir ou sont en plein processus d'adoption, ils peuvent faire appel à ce bel ange Gabriel. C'est l'archange de la fécondité, n'est-ce pas? En tant que tel, il protège les enfants et permet aussi à chacun de retourner auprès de sa mère. Il peut provoquer ainsi les retrouvailles familiales. La pierre qui lui est associée est la citrine. Prière à ce bel archange Gabriel. Donne-moi la parole, offre-moi la créativité, insuffle-moi ton énergie, donne-moi la force de la transformation intérieure. Offre-moi la joie, l'amour et l'abondance. Si cela est juste, qu'il en soit ainsi. Je te demande aussi de guérir mes anciennes blessures, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles, et fais que tout mon être soit lumière, amour, pureté, afin que je sois dotée d'émotions nobles et d'un amour inconditionnel pour le bien de tous. Merci avec toute ma gratitude. Faites une prière pour le remercier. Je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve dans une prochaine capsule et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À tout bientôt.